Alors mes influences, si on part du départ, du début, c'était des gens comme Maurice, comme Uderzo, qui ont énormément compté pour moi. Surtout Maurice, parce que en fait Maurice faisait du western et j'adorais le western. C'est grâce à lui que j'ai appris à dessiner les chevaux, j'ai appris à dessiner tout l'attirail du cow-boy, dans un premier temps, de façon humoristique. Et ensuite, j'ai bifurqué sur des gens comme Chéret, Marcello, parce que je lisais Pif, un grand lecteur de Pif enfant. Ensuite, j'ai découvert des gens comme, surtout des Américains comme John Buscema, comme Neal Adams, comme Joe Kubert, qui sont pour moi des très grandes influences. Et enfin, j'ai aussi lu de la bande dessinée franco-belge, et des gens comme Giraud, Herman, voilà, ont énormément compté pour moi. Ah ben, la documentation, elle est primordiale. D'ailleurs, j'ai fait un petit séjour aux États-Unis lorsque j'ai entamé la série Chinaman. Je cherchais de la documentation pour retracer de façon correcte ou la plus fidèle possible, le plus fidèlement possible, la vie des émigrants chinois à l'époque de la rue vers l'or et de la construction du chemin de fer. Et donc, c'est une partie très très agréable, où on fantasme l'histoire justement à la recherche de la vérité, en tout cas de la vérité qu'on a envie de retranscrire. Par exemple, pour le projet de Chinaman, en fait, j'ai toujours eu envie de faire un western. Je rappelle, Maurice, Giraud, Herman, enfin tous ces gens-là m'ont donné envie de faire du western. Et puis quand j'étais enfant, j'adorais les films à la télévision que je voyais avec mes parents. Et en fait, je me suis dit, moi aussi, un jour, je ferai du western, mais il fallait trouver l'angle d'attaque. Je pouvais pas refaire des westerns tels qu'ils avaient été faits précédemment. Donc c'est en justement compulsant quelques livres d'histoire que j'ai pu, et puis en allant au petit musée chinois de Los Angeles, de San Francisco, pardon, que j'ai pu voir de près la réalité de ces gens. Et ça m'a donné vraiment les bases de l'histoire telle que je l'ai faite par la suite, quoi. Les étapes essentielles, c'est d'abord la recherche de documentation, bien évidemment. Ensuite, c'est l'écriture, parce que effectivement, pour cette série-là, j'ai coécrit avec Serge Le Tendre. C'est de coécrire, donc de se mettre autour d'une table, de commencer à évoquer les trames d'une histoire, et puis ensuite de commencer à fouiller les personnages, et puis crayonné, enfin tout ce qui s'ensuit, le découpage, crayonné, mise au propre avec l'ancrage. Alors une journée type, c'est de descendre à mon atelier. Ça commence par ça. J'ai une dizaine de marches qui me permettent d'accéder à mon atelier. Et ensuite, mettre en route l'ordinateur, enfin tout ce petit rituel qui fait qu'on rentre progressivement dans la journée de travail. Commencer à regarder les mails, etc., les messages, les dernières nouvelles.
Facebook, parce que Facebook aussi fait partie du rituel maintenant. Et ensuite, ben voilà, on se met à la table à dessin, si c'est de l'ancrage ou si c'est du crayonné, puisque je le fais maintenant à la Cintiq, en numérique. En fait, une page, je ne la fais pas en une seule journée. J'ai forcément une journée de crayonné, enfin une journée de mise en place et crayonné, peut-être même deux, parfois, parce que ce sont des pages compliquées. Après, il y a une journée, voire deux d'ancrage. Voilà. Et puis après, il faut que je scanne tout ça, que je remette en place. Donc ça prend un peu de temps quand même. Alors pour ce qui est des projets d'albums, j'en ferai certainement d'autres, mais le projet essentiel que j'avais envie de faire, c'était celui sur Chinaman. Ouais. Et il m'a fallu 5-6 ans avant que je puisse réellement le réaliser. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé sur d'autres séries et je continuais de collecter de la documentation. Mais voilà, c'était essentiellement cette série-là que j'avais envie de faire. Alors l'album en cours, c'est un album qui fera à peu près 120 pages, qui sortira dans la collection Air Libre chez Dupuis. Et ce sera donc un gros one-shot qui retracera, on va dire, les aventures du personnage de Chinaman, mais 25 ans plus tard. Voilà. Et je prends un pied pas possible à dessiner ça. Et j'espère que les gens le sentiront et prendront aussi beaucoup de plaisir à le lire. Ça sera une espèce de conclusion à l'univers de Chinaman. Voilà.